Oh non! Oh non! Oh! Oh! Frérot! Tu casses-toi à côté de chez moi! Tabarnak! Voilà! Alors! Bonjour la team 2.0 et bienvenue pour un tout nouvel épisode de From the Fog. Alors, dans le dernier épisode, on avait fait pas mal de choses, dont relâcher une créature des enfers. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, je me suis renseigné sur un des mods que j'avais et regardez ça. Je peux avoir maintenant du fer à la maison grâce au mod que j'ai installé sur les villageois. Et apparemment, il me suffit juste de faire ceci et ceci. Et normalement, eh ben, il y a du fer qui va apparaître ici comme par magie. Ouais, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Et d'ailleurs, autre chose que vous m'avez signalé en commentaire, c'est que depuis que j'ai capturé le Goatman, il a des pop. Ce qui veut dire que quand on le rename avec un name tag et qu'on le piège, quand il dépop, la créature est piégée je ne sais où. Mais écoutez, elle est piégée. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir piéger les mobs. Ouais. Et ça, écoutez, ça fait super plaisir. Du coup, à partir de maintenant, le mob qui aura le plus de votes en commentaire, je le capturerai sur l'épisode prochain. Ouais. Oh, c'est quoi les bruits qu'il y a dehors, là? Oh, frérot! Pourquoi je bouge tout seul comme ça? C'était pas du tout prévu. Oh, j'en peux plus. Oh ouais. Il y a une méchante créature, hein. Mais bref, écoutez, pour les nouvelles créatures, j'ai une solution. En tapant la commande slash news... Oh, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Normalement, j'obtiens ceci. Enfin, j'en ai obtenu 4, je sais pas pourquoi, le mode bugouille un peu. Et normalement, en faisant ceci, on a l'endroit où la prochaine créature va spawner. Et ça, autant si flippant, autant c'est quand même un petit peu pas mal. Bref, du coup, on va mettre ça en inventaire. Je vais récupérer mon backpack, qui apparemment peut se mettre dans le dos de ce que j'ai lu. Oh ouais. Oh, vous êtes des génies! Oh, regardez ça! Qui c'est qui a un sac à dos? C'est tonton, bien sûr! Ouais, bon, par contre, on va éviter de twerker. Écoutez, ça, je vous remercie. Ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, petit truc qu'on va faire avant de partir à l'aventure, parce que oui, on va partir découvrir le nouveau mob. On va faire quelques enchantements. Oh! Oui! Bien sûr, voilà! Oh, voilà, on est complètement pété. Full P4. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, fabuleux! Nous voici avec du fer. Oh ouais. Oh non. Ok, bon. Ça fonctionne, c'est une bonne chose. Oui, mon ami, bien sûr. Mais bref, messieurs dames, avant de partir en direction du compas et des bruits de pas qui sont littéralement terrifiants, j'ai envie de dire, il va me falloir 2-3 trucs. Et ces 2-3 trucs, écoutez, c'est un petit peu de gunpowder. Parce que, écoutez, j'aimerais bien avoir une arme full chargée et j'aimerais trouver une deuxième chose. C'est tout simplement des name tags, hein. Ouais, ça on aimerait trouver, mon ami. Bien sûr. Du coup, on est parti pour mourir. Oui. Oh, je suis tombé. Ok, bon, c'est pas bien grave. Écoutez, récupération de fer. Est-ce qu'on a besoin de fer maintenant qu'on a des golems à la maison? J'ai envie de dire non, mais ça ferait quand même plaisir. Oui. Oh. Mais non, c'est une blague. Le jour où on n'a plus besoin de fer, il y a du fer partout. Oh, ça, c'est pas du jeu, ça. On n'aime pas du tout. Écoutez, on va faire avec, hein. Oh, je les avais oubliés, ceux-là. Avec les bruits de pas et tout. Oh. Sage, hein, les titis, sage. Voilà. Oh, du charbon. Oh! C'est quoi ces bruits de pas? Je sais pas si vous les entendez, mais moi en tout cas, oui. Bon. Par contre, mauvaise nouvelle pour moi. Juste ici, il n'y a pas de mineshaft. Du coup, écoutez, on va partir par là, parce qu'on n'a pas trop d'autres solutions. Non, monsieur! Est-ce que j'aime ma vie présentement? Pas du tout! Pas du tout, du tout! Mais c'est la vie que j'ai choisi de mener, bien sûr! Mais au moins, dans l'opération, on a une efficacité 5 qui mine à une vitesse allue. Attendez la suite! Sinon! Allez, ki, petit, n'ayez pas peur, venez voir tonton, bien sûr! Petit! Oh! Alors là, je suis content, là! Ok, doublement content parce que j'ai oublié ma table de craft. Ok, on va pouvoir crafter une table de craft. Chose qui, ma foi,
est une bonne nouvelle, mis à part qu'on a un cave dweller pas loin. Et Robrine surtout. Ok, j'en peux plus. Oh, qui c'est qui mine à côté de moi? J'ai une arme, monsieur, d'accord? Ouais. Alors, qui c'est qui fait le foufou ici? Personne fait le foufou avec le patron. Hein? Bon, voilà. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Oh mon tabarnak. Fille idiot. Oh oh. Oh. Oh oh oh. Mais Phil, je t'ai dit, imbécile. Imbécile d'idiot du village que tu es. Oh oh. J'ai tombé, chef. J'ai tombé. Laisse-moi en paix. Phil. Oh. Oh la vache! Ok! Oh le P4 qui m'a sauvé la vie! Oh! Oh! Non, 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 non! J'ai dit sauver la vie! On va pas mourir à cause d'un squelette! Oh non! Oh! Ok, la prochaine fois qu'on voit un mob, on est mort! C'est officiel! J'ai plus d'AK, j'ai plus rien! Oh non! Oh non! Oh non! Oh! Oh, qu'est-ce qui vient juste de se passer là? Un cave dweller mutant! Fabuleux! Non, hein, ça suffit, méchante créature des enfers. Oui, créature enfereuse que vous êtes. Oh, oh, bonjour. Combien? Deux? Seulement deux? Ça, c'est triste, ça. Ouais, 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 ouais. Donnez des diamants à tonton, bien sûr. On a besoin de survivre ici. Oh, mais il traverse les murs, maintenant, l'autre imbécile, là. Alors, est-ce que c'est bien de traverser les murs? Tu t'es pris pour Nick quasi sans tête? Pas du tout, idiot, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Hein? C'est un endroit que j'ai déjà visité, ça ou quoi? Oh ouais. Oh non. Oh, c'est un mineshaft que j'ai déjà vu. Oh, quelle catastrophe. Bon, en espérant qu'on ait oublié des trucs dedans, hein. De toute façon, on oublie toujours des trucs. Ça tombe tout seul maintenant. Ok, on est tendu, on va se calmer. Tous ensemble, on se calme là. On va faire une respiration de moine bouddhiste. Voilà, c'est bon. Hop, viens voir papa, toi. Alors, fou, va. Oh! Ah oui, venez tous. C'est comment cette histoire? Bon, bien que le diamant, ça serve plus à grand-chose sur cette aventure, on est quand même content de le trouver. Voilà, parfait. Par contre, les creepers, ils sont où? Titi! Cri-cri, viens! Cri-cri, viens! Je suis juste cassé en deux, frérot. Je vais t'exploser les rotules. Et à la fin, il restera de toi... Oh! Oh, oh, oh yeah! Plus que de la gunpowder. Ouais, ouais, ouais. Et toi, donne tout! Bien sûr! Voilà. Oh, name tag, hell yeah, gunpowder et oh, mon maître pas qui fonctionne. D'accord, fabuleux, ça introduit des balles à l'intérieur des coffres. Ok, on va pouvoir recharger l'arme. Venez les cave dwellers, venez voir papa maintenant. Qui c'est qui va les péter? Eh ben c'est moi. Et voilà. Eh ben messieurs dames, on est bien. Finalement, on n'a même pas besoin d'aller chercher du creeper. Bon, un petit creeper, ce serait du bonus, mais écoutez, dans la vie, on peut pas tout avoir. Et il semblerait que là, pour aujourd'hui, avoir du creeper, eh ben ce soit mission impossible. Oh, on l'a entendu, frère. On l'a entendu. Allez, on se casse. Voilà, parfait. Pas de Herobrine, rien du tout pour aujourd'hui. Non, monsieur, juste une gentille remontée à la maison. Et écoutez, on va récupérer 2-3 trucs. Et ensuite, on part en direction de la boussole. Oh non. Oh, juste au moment où je repasse la porte de chez moi, il y a des bruits des enfers, frérot. On est dans Jurassic Park ici ou quoi? Non, pas du tout. Oh, ça fonctionne même quand on se casse ce truc. Oh la vache. Oh, alors ça, ça va nous changer la vie ce truc. Faut vraiment que je me renseigne sur le mode villageois parce que clairement, c'est une dinguerie à quel point il est bien ce mode. Bon, du coup, carotte, venez ici. Le gold, viens ici. Pack, carotte dorée et messieurs dames, je pense qu'on peut partir à l'aventure. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Réfléchissons 30 secondes. Bon, c'est quelque chose qui est compliqué pour le Johnny. Mais il semblerait... qu'on soit bon. Ici, on va nommer le name tag. On va l'appeler... voilà. Et écoutez, messieurs, dames, il est temps de voir ce qui se passe sur ce modpack parce que je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais... il a été mis à jour, le modpack.
Oui, bien sûr. Ok, et messieurs, dames, prêts ou pas, j'ai envie de dire, c'est parti. Oh non. Je l'avais entendu déjà de loin, celui-là. Ok, mon frérot. Ok. Oh, j'ai pas de bloc. Oh non. Faites que j'ai des blocs. Oh non, j'ai pas de bloc. Et il est là, l'autre imbécile. Et il y a quelque chose qui fait des bruits de dingue. Oh, oh shit. Ok. Il a arrêté de faire... dans mon oreille. Ce qui est une très bonne chose. Oh. Pourquoi j'y vais, moi? Eh ben pour le faire disparaître. Si, seigneur, que c'est vrai, ça. Oh. Oh, on a trouvé un mineshaft. Ok. Et un villageois, frérot? Viens dans mon inventaire. J'ai besoin de toi, frère. Titi. Titi. Viens. Frérot. Frérot. Pourquoi je rentre là-dedans? Pourquoi je rentre là-dedans, frérot? Oh, quelle idée saugrenue! Oh, j'en peux plus, j'ai vraiment des idées bêtes des fois. Ça, c'est, je crois, la pire idée que j'ai eue de ma vie, ça. Rentrer dans un mineshaft comme ça, alors qu'il y avait un bruit chelou. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà qui est parfait. Oh! Mais, je suis tout bloqué! Oh, vive le P4, vive le P4! Phil! Imbécile! Mais c'est pas vrai! Oh! S'il vous plaît! Oh! Oh! Ça y est, il est parti! Oh! Oh, le P4 qui me sauve le cul, frérot! Il est venu en rampant! Il rampait comme un serpent. Oh ouais, 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 ouais. Ok, est-ce que je suis arrivé au paradis, là? Est-ce que finalement je serais déjà mort? Pourquoi il y a une truc d'Herobrine ici? Hein? Pourquoi il y a une torche d'Herobrine? On sait pas pourquoi il y a une torche d'Herobrine. Ok, ouais, allez, allez, allez. On sort de là, on se casse. Finito pipo, frérot. Voilà. Allez, hasta la vista, baby. Je sais pas si on fait bien de venir par ici, hein. Ouais, 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 ouais. Comment ça, ce bois est trop grand pour être cassé? Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Normalement, on a des trucs ici. Oh! Y a un truc qui court à côté de moi. Bon, eh ben, de ce que je vois, messieurs, dames, il semblerait qu'on soit arrivé à l'endroit où le nouveau mob est censé spawner. Bon, on va faire une petite base d'observation. Et ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'étrange impression que la bébête, à mon avis, elle spawn dans ce bois des enfers, là. Un bois enfereux. Oh, alors que dire de cette mini-base? Je pense pas que c'est ce qui va nous sauver la vie. Mais écoutez, on sait jamais. On sait jamais. Non, mon ami. Bon, alors, messieurs, dames, je crois que c'est un peu trop discret pour que vous puissiez l'entendre. Mais... comme j'en avais bien peur, il y a des bruits qui viennent directement de la forêt. Oui. Oh non. Oh, il y a l'autre imbécile. Ok, ok, ok. Bon, on a bien fait de faire des vitres. Voilà. Quelle bonne idée, mon Johnny. Quelle bonne idée tu as eue. Bon, 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 messieurs dames. Est-ce qu'on n'aurait pas des bruits de pas de plus en plus puissants autour de nous? Ben si. Est-ce que ça viendrait pas de cette forêt enfereuse? Ouais, j'ai bien l'impression que si. Et où est-ce qu'il crache, l'autre? Oh, la vache. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va droit vers notre mort, là? Oh! Ok. Oh! C'est un arbre, ça? Oh, c'est pas du tout un arbre. Écoutez. Oh, oh la vache! Écoutez, je sais pas ce qui rôde auprès de moi, mais ça rôde. Oh la vache! Oh la vache! C'est Sirenette, frère! Oh, il est gigantesque, le frérot! Oh la vache! Oh non! Oh, 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 j'aurais pas dû tirer! Oh mon frérot! Oh mon frérot, comment je suis désolé! Vite! Il faut qu'on rush la forêt! Oh!
Oh, oh, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il me court après. Oh, mon tabarnak. Oh, mon tabarnak. Oh, mon tabarnak. Cours, Landor, voilà. Imbécile, va. Oh. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, la vache. Ok. Ouais, 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 bon. Écoutez, est-ce qu'on a vraiment envie de rester là? Non, pas du tout. On va rentrer à notre mini-base d'observation, hein? Ouais. Oh non. Oh, il est réapparu juste derrière moi. Oh, oh. Pourquoi? Oh, what? Oh frérot, c'est trop. C'est trop, je viens de rip-up à la base, là. Alors file de là. Mais veux-tu bien descendre alors? Hein? Oh. Allez, c'est intuable ces trucs-là, c'est intuable. Ok, il a des pops fabuleux. Oh non. Oh non. Oh, oh, frérot, tu casses-toi à côté de chez moi. Tabarnak. Voilà, alors. On va faire comment pour rentrer à la maison? Oh, est-ce qu'il est en capacité de casser les blocs? Oh, non. Il m'a écrasé en dessous. Il casse les blocs. Oh, ça, c'est une catastrophe, ça. Oh, ça, c'est une catastrophe enfereuse, sirèneuse, même. Oh, il est où? Il est où, le gros tabarnak? Je vais le vider un chargeur dessus, moi. Tu vas voir, imbécile, va. T'es où? Oh, mon Dieu. Oh, l'enfer que ça va être, ce truc-là. Il faut qu'on le fasse des pops. Il faut qu'on lui foute un M-Tag dessus et qu'il disparaisse à tout jamais. Oh, nom de Dieu, il nous a rejoint à la base. Oh, il a ripop à l'endroit où il avait des pops. Ok. Oh, ok, on va dans la flotte. En fait, on grimpe. Voilà, nickel. Alors, mon tabarnak. Alors, hein? Tiens, va, viens dans les bases du patron. Oh. Ok, hein, t'es pas si grand que ça, finalement. Ouais, imbécile. Oh, sa grosse tête, là. Pourquoi je l'emmène à la base? Oh, ça fonctionne pas. Oh, ça va. Tu casses pas la base à tonton, hein? Oh. Il est parti. Il est pas parti du tout. Il marche encore. Oh non, c'est encore plus terrifiant. Il a bugué, il est invisible. File de là, toi, voilà. Je suis tendu comme une crampe, messieurs dames. Oui. Tu es où? Oh, ouais. On sait bien que t'es là. Hein? Je vais continuer à vider mon chargeur sur toi, frérot. Oh, il est rentré, il a tout pété. Oh. Arrête. Casse pas tout. Oh, il grimpe. Oh, fuck. On s'enterre. Voilà. Oh, il est terrifiant, celui-là. Oh, il creuse aussi. Oh, il met sa main pour m'avoir. T'es parti? Tu vas pas me pêcher, hein, comme on fait la pêche au canard? Oh, le bail que ça doit être! Il a détruit ma base, le frérot? Oh, mais shit! Oh non, il est encore là? Oh, il est encore là? Comment on va faire pour piéger ce truc-là? Ok. T'es encore invisible, hein? Ouais, mon garçon. Je crois que c'est le pire mob qu'il puisse y avoir. Il grimpe,
Oh la vache, il a tout détruit, frère. Regarde ça. Il a tout détruit. Ok. Est-ce qu'il a passé les blocs de Security Craft? Ça, c'est une question, ça. Parce que si c'est non, la réponse, on va foutre des blocs de Security Craft partout. Oui? Ah ouais, 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 ouais. Il a pété les blocs de Security Craft. Oh non, ça rebouge. Oh non. Oh, 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 oh. Dans mon trou à rats, voilà, dans mon trou à rats. Oh. 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 Alors. Imbécile, va, viens ici. Crème de merde, va. Viens ici. Oh, oh, qu'est-ce qui casse encore? Casse pas tout, frère, casse pas tout. Voilà. Alors, recharge-toi, idiot. Voilà, hein? Péchil va. Oh, 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 oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé dans ma base? Oh non. Il est parti ou il s'est enterré dans ma base? Oh, fait qu'il soit pas enterré dans la base. Oh, fait qu'il soit pas enterré dans ma base. Oh, je crois qu'il s'est enterré dans ma base. J'arrive plus passer, c'est glitché. Oh, il a détruit ma base, le petit con. Je sais vraiment pas quoi faire. Je crois que la base est foutue. Je crois que c'est foutu. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là parce que là, présentement, mis à part détruire ma base, je sais pas ce qu'on va faire. Il faut que je réfléchisse à un plan.